Alors, après cette rencontre remportée 6-1 par Saint-Étienne, on est avec Badara Séné. Badara, tout d'abord, merci d'être venu. Comment tu as vécu un petit peu ce match? Ouais, bien, pratiquement dans l'ensemble, super. Parce qu'on était venu pour les 60 ans de l'URSS, c'est ça? 80? 80. 80 ans de l'URSS. Donc, Fabien, il nous a appelé et puis on était là pour représenter les Sochaux. Malheureusement, on n'est pas tous là et puis il manquait deux ou trois Kamel Meriem et puis David Sogni, tout ça. Mais dans l'ensemble, on s'en sort bien. On a pris 5 buts d'écart, mais bon, dans l'ensemble, c'était bien. Badara, un petit mot, tu joues encore au foot là ou? Oui, je joue encore au foot. J'ai signé à FC Exincourt. Ouais. Donc, je suis toujours en activité, histoire de ne pas rester inactif, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ah, donc tu joues en LR2, c'est ça? Oui, je sais pas si deux ou trois, mais bon, après, je sais pas du tout. Deux ou trois, je sais pas. Vous êtes FC Lure R2, donc nous, je pense que c'est trois, parce qu'ils sont descendus l'année dernière. Donc voilà, histoire de rejouer un petit peu au foot et puis de rentrer encore dans le terrain, quoi. Donc avec les liens que tu as avec Fabien Boudaren et puis Fred Mendy, on peut espérer de voir un jour à Lure? Oui, ça, c'est fort possible. Donc Fabien, on en a déjà parlé et puis là, je crois qu'on va en reparler encore. Il y a possibilité que je puisse venir jouer à Lure assez sainement sous peu, très 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 vite. Donc, voilà. Eh ben, on le souhaite en tout cas. Merci Badara. Merci.